Et ok, yes, salut à tous, c'est Ruikalkos, et on est parti pour une session sur Clicker Heroes, et oui, l'heure de la transcendance a à nouveau sonné. On est le 28 septembre 2017, et ça y est, les 20 âmes ont été récoltées, on l'entend. Donc allez, très 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 vite, hein. On va épargner, hein. Vous savez comment ça fonctionne maintenant, au bout d'autant de séances, on est à 240 âmes. Je sais que je vais pas optimiser tout ça, que j'ai tout bien préparé depuis la dernière fois. Hop, hop, je vais refaire ça pareil la prochaine fois, monter ces deux-là. Mais enfin, bref. Évidemment, je suis un connard, donc du coup. J'ai peur. Comme d'habitude. Au début, c'est chiant, c'est pénible. Là, mon but, c'est d'avoir justement ce que j'ai préparé aussi, hein, comme d'habitude. Stop! Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir acheter les rubis. Voilà, j'en achète deux toujours. Ça va pas plus loin. Alors, les aînés. On a dû à plus tard. Je prends Prio. On a... Putain, on a tous les trucs là. Où ça fait flipper. Ouh là là. Ouais, c'est un peu moins normal, mais bon, c'est pas très grave. Ouh là. Ok, c'est bon. Profiter pour prendre ça. Voilà. Préparer pour de la suite. Là, ça m'intéresse. La thune dans 2 heures, non? 2 jours. Et 5 minutes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien dans cette session? On en a beaucoup là. Combo clic, c'est nul. Coup d'enroulement, il gagne niveau. Oh, ça m'emmerde un peu. 2 rubis. Troc trésor. Ok, dégâts par clic. Pièce d'or. Ok. Pièce d'or des monstres en étant inactif. Coup d'enroulement. Ok, on a 2 coups d'enroulement. Chance d'affronter les boss Omega. Hop là. Gars glorifié, croque trésor. Putain de pièce d'or de base. Monstre qui, on a un Kumawaka. Aïe aïe aïe. Et je verrai ça plus tard. Âme de héros Omega. Oh. Ok, âme de. 310. Chance d'avoir 2 rubis à la place, voilà. Je garde ça de côté. Ok, allez, c'est parti. Je perds un petit peu de temps, mais bon. Au niveau 13. Oh là là. Je vais en profiter pour faire. Hop là. On n'a rien vu. Ça dégage. Pas normal. On peut déjà être à 25. Oui. Ça va être à 50. Oui. Ça va très vite, ça va très vite. Parti pour une bonne session ce soir. Alors, je sais plus quel est le record. Hein. Franchement, j'ai oublié de me renseigner à nouveau sur le record que j'avais eu la dernière fois. Il me semble que j'avais atteint les 1000. Hein. Et le bordel. Évidemment, après cette ascension-là, je vais couper le son. J'aime bien mettre le son à la première séance pour montrer à quel point ça n'a pas changé et que c'est devenu pénible. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est que la mise à jour n'a pas encore eu lieu. Et il me semble que j'ai toujours Salomon. J'ai pas bien vérifié, mais il me semble que ça n'a pas changé. Aïe aïe aïe. Mais bon, ça devrait pas tarder normalement. J'avais cru que ça serait ce mois-ci, mais en fait, ça va peut-être être le mois prochain. Même si ça fait déjà 2 séances de transcendance que je dis ça et il n'y a rien passé. Il y a
d'accord que j'ai chopé un Salomon quand même. Ouais. Donc j'ai un Salomon parmi les reliques. Liberta, Liberta, j'ai mis que du Liberta et du à plus tard, relique. Ça aide énormément la preuve. Surtout au début. C'est pour ça que je crois qu'après je vais modifier tout. C'est juste le fait que j'avais aussi chance d'affronter des boss Oméga. Au niveau de la puissance, j'en suis à 2,61. Je crois que j'étais à 2,40. Je ne me trompe pas. Je pense qu'on va avoir de très bonnes surprises. Évidemment, ça va pas tarder à ralentir déjà. On est vachement en avance, hein. Il faut pas que j'oublie que je fasse une ascension quand j'aurai atteint. Si je fais pas d'ascension, je serai en retard. Bon, là on est déjà à 6 minutes, je vais déjà pas tarder à atteindre le niveau 100. Donc Zilikili est un peu pour quelque chose. Et on va dire que c'est une séance qui porte plutôt bien parce que j'ai eu encore aucun. J'ai dépensé que 100 rubis sur les 150 que d'habitude je fais. Et là, pour une fois, non, il va y avoir que 100 rubis. Donc Zilikili est aussi un peu pour quelque chose. Bon, là, on est parti pour une très bonne session ce soir. Les records vont tomber. Ça n'a même pas ralenti, j'ai peur. Je suis déjà arrivé à Athéna. Enfin, je l'ai pas encore débloqué. Mais au point d'être. Ouais, je débloque Athéna alors que j'ai plus de 10 niveaux d'avance. Ça donne rien de rien, tant mieux. Donne-moi des âmes, j'en ai besoin. Très important. Athéna niveau 10, ça veut rien dire là. Je veux vraiment rien dire. J'ai déjà débloqué Aphrodite. Mais vais-je débloquer un Nocturnus? Je touche même plus à rien là, ça continue à monter rapidement. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors, il y a qu'en plus qui me donne. Ouah! Ah non, j'ai. Si, que Mawaka et Gripsou ensemble, je suis obligé de le prendre ça. Ouah, bague azurite, d'accord. De pingrerie. Celle-là, c'est mon Graal. Et en plus, on a Boréas. Non mais, wouh! C'est manqué tant que ça. Je sais que j'ai eu les mains 20 âmes un peu tôt quand même. Donc j'aurais pu faire l'ordre de la tendance, mais. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Wouh! L'hécatombe totale ce soir, c'est incroyable. J'ai dit au niveau 112, d'habitude je peine pendant un quart d'heure, et là on est à peine à même pas 10 minutes que ça rush. Et je chope Boreas en plus, c'est n'importe quoi. J'ai même pas. D'ailleurs. C'est pas grave. Manquerait plus que je chope ici et c'est nickel. Salut Lulu, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super depuis le temps.
Ah non, ah t'es naze, enfin, on peut pas tout avoir. On est sur du lourd là ce soir, on est sur du bon. On est sur du très très lourd. Bon, ça va m'handicaper un peu, mais sur la durée ça va m'aider, c'est ça. En plus j'ai un butin de pièces d'or plus 5%. Mais Kumawaka plus Gripsou dans la même relique, oui, ça se up direct. On réfléchit pas. J'ai à peine entamé que 10 minutes là de stream et déjà le DPS ne ralentit pas. Ah par contre non, ça me plaît pas trop. Je suis bien content de Boreas, hein, c'est vraiment le glorifié de la mort. Surtout au début. Hein. Est-ce qu'on a eu... Oui, on a eu du Omega, on est déjà à 400. Oh, c'est une tuerie. Hein. Cette première ascension est une tuerie, elle est toute seule. J'ai peur que la suite, donc la grosse ascension dans une heure, un peu moins d'une heure maintenant, dure une heure et demie, deux heures. Là. C'est pour ça que je l'ai coupé en minimum deux heures cette fois. Je l'ai coupé en deux parties parce que à l'époque où je le faisais en trois parties, ça devenait tellement long qu'à deux heures du matin, j'y étais encore. Donc j'ai bien fait de m'arrêter là. Parce que là, on va partir sur du très lourd. Bon, là, je suis un peu nappe. Hein. Hop. Voilà. Ça sert pas trop à grand chose. Ça, par contre, oui. Attention. Chiro. Ah, c'est pas loin. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, on va le monter un peu, ça va nous aider. Incroyable. Est-ce qu'on va avoir une première Nocturnus en première ascension? C'est jouable. Faut pas exagérer, mais c'est jouable quand même. Faut que je tombe sur un glorifié dans cette zone-là et c'est nickel. Voilà. Boreas encore, c'est pas le top là. Un seul c'était bien, mais deux, c'est un peu exagéré. Il y a 1000 hauts, on est niveau 160. Oh non, ça va peut-être pas trop. Finalement, il sent un petit peu moins bien le Nocturnus Suffers. Bon, j'aimerais bien avoir 1000 âmes, comme ça je pourrais faire la deuxième ascension très très vite. Un manque trop. J'ai presque doublé mon DPS. Mazou, non, c'est nul. Mais bon, c'est toujours ça. J'arrive bientôt à Alexa. Et annonce que je vais débloquer Nocturnus. Et là pour l'instant, depuis un petit moment, j'ai pas eu de boss Omega. Aïe aïe aïe. Bon, je confirme, hein, Nocturnus est mort pour cette séance. Mais pour l'ascension d'après qui va être suivie par la grosse ascension, je le sens, on va aller loin. Faut juste que j'ai 1000 âmes, comme ça je pourrais être sûr d'avoir 200 000 âmes. Tralala. Ne veut pas. Il est méchant le jeu là d'un seul coup. Il dit il faut pas exagérer. Oui, il doit se coucher de bonne heure quand même. Non. On va accélérer un petit peu quand même. J'ai plus vraiment besoin de ce clicker et des golds en plus puisque j'ai eu Stené là. J'ai eu nos garnites. Malheureusement, après j'ai eu Gripsou. Ah, peut-être. Peut-être Chiro va peut-être m'aider un peu. Par contre, ça fait un bon bout de temps maintenant que j'ai pas eu. J'étais à 400 au niveau 120 et là d'un seul coup je suis à 500 et je bouge plus.
va faire presque 6 ou 7 boss d'affilée que j'arrive pas à voir ce qu'il faut. Alors, on n'est pas loin pour... Lui c'est bien aussi. Ça va aider. À 700. Je crois que le 345D est mieux. Et non, toujours pas. Mais on va arriver au niveau 200 et on va avoir forcément des âmes oméga. Ah, Léon, ça c'est bien, il est là. Allez, 345, voilà. Paf, 55, allez. On s'est réaccéléré. Il y a des coffres qui cassent, c'est bien. Il n'y a pas eu un pet de... On augmente le niveau 200, voilà, il va tomber. Et là, sûr, je vais avoir des âmes, en espérant que ce soit les 1000. 137, ok. Vigor, non. Hop, on double. Triple, finalement. L'avantage, c'est que Gripsou et Kumawaka, ça va me servir. La relique va vraiment me servir. Pouvoir accélérer à mort. Après tout, pour la deuxième ascension, je sais qu'à chaque fois, j'ai tendance à m'arrêter au plein milieu alors que je pourrais gratter encore quelques niveaux. Donc Kumawaka va m'aider à aller encore plus loin. Ça monte encore. Et à 688 âmes. On va peut-être déjà m'en servir pour m'acheter pas mal d'aînés. Mais je vais vraiment monter à 1000 âmes. Dans 5-10 minutes, si je vois que ça passe pas, ben. Je vais directement faire une ascension parce que là, je vois que ça ralentit pas. Je peine un peu. Je sais que j'aurais pu débloquer Nocturnus avec de la patience, mais on n'a pas le temps. Peut-être pour la prochaine. Elle est aussi bien que celle-là parce que j'ai eu un très bon début. J'ai aussi un late plutôt sympa, mais bon, dans les premières reliques, à part Kumawaka et Gripsou, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, c'est que c'est vraiment peu de niveaux que je gagne. Allez, on a combien d'ailleurs? Je crois qu'on a qu'un niveau de chaque. Hein. Ah non, deux niveaux quand même. Mais bon, avec la durée, les deux niveaux, ça vaudra plus rien. Et 900... Ah, on a quand même atteint le U, hein. 13, on est à 13 U. Ok, les derniers niveaux, et tant pis, je serai à 688. Eh, franchement, 688, depuis le niveau 200, j'ai rien du tout. Hein. Je crois même depuis le niveau 150, j'ai rien eu du tout. Alors, rien du tout. J'ai une chance sur 4 d'avoir un boss Omega. J'ai enchaîné une vingtaine ou trentaine de boss sans... tomber sur un seul boss Omega. C'est la poisse, hein. C'était la grosse chatte parce que je les avais enchaînés dans les 100 premiers niveaux là, de 100 à 120 ça s'est enchaîné. Et après, ben ah voilà, un petit 160, même 200. Ah, on est à 9, on est quand même 190. Hein. 190, c'est pas moche. Bon, là ça ralentit, je vais pouvoir faire l'ascension. On va essayer d'aller jusqu'au niveau 235 si je vois que ça passe pas. Ben... Enfin, si je vois que c'est pas un boss Omega, je fais l'ascension. Si c'est un boss Omega, j'attends qu'il tombe et c'est bon. Très bien qu'il soit Omega là. Le dernier. Ça m'apprendra de jouer avec seulement Liberta et pas avec les boss Omega. Ouais, amusé. Alors, DPS en étant inactif.
Le niveau. Je peux le remplacer, et pas de problème. Je recycle. Je fais l'ascension maintenant. Tant pis. Alors, on va prendre Gripsou. On va prendre Liberta. Très bien. Il manque deux. Ah, il m'en manque. Attends, on a Hargave, ça c'est bien. On a Salomon, on sait très bien. Il m'en manque plus qu'un. Atman, je peux le prendre, y a pas de problème. Fortuna, c'est un peu. Pourquoi pas, allez. On n'a pas. Ah, Mammon. Bien, Mammon. Va s'arrêter profiter d'ailleurs. Hop là. Tac. On a un petit peu de temps. Non, on va pas faire ça. On va quand même les monter de 5 niveaux. Ben. Ben. Et là. Touche plus à rien. Ah, c'est mieux. Mawaka, on le sent ou pas? Je crois pas. Je sens pas trop. Évidemment, je peux m'amuser à acheter pour 9000 âmes. Après tout, hein, je l'ai toujours dépensé 150. Hein, pourquoi pas. Alors, on a. Mimsy, c'est bien. Rigri, c'est bien. Dora, oui, pourquoi pas. On a Morgulis, voilà, c'est ce que je cherchais. On a Kumawaka, très bien. Coupez le son, voilà, ça va aller mieux. Alors pour l'instant, j'ai mon niveau 10. 10. 10. 10. 10. 10, je peux pas les monter niveau 20, y a pas de problème. Oh là là. On va monter à fond Morgulis. Bien. Oh! Ah oh, merde, oui. C'est pas grave, j'ai un plan de secours. Hop là. 89 âmes, voilà, ça fait du bien. On va en avoir besoin. Ouh là là, j'ai fait faire une grosse bêtise. Tout va bien. Voilà. Alors j'ai fait Jean-Michel Paletant. Là on part sur du gros 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 du gros truc là. Là c'est. Ça va être une tuerie. Mawaka il va aider à fond. D'ailleurs, je vais m'amuser tout de suite aussi à trier mes trucs. Alors, 2,25, 2,25, je prends. 4, 8, 16, 32 et 64. Donc ça fait monter à 2,91 de plus. Très bien. Ça veut dire que Kumawaka est à 0,96, donc on est à quasiment 9. Très bien. Très très bien. Oh pardon, j'en ai poussiéonné. Et ben voilà. Donc là maintenant, pendant plus de 30 minutes, ça a monté tout seul. Donc le but, c'est de monter le plus loin possible pour la prochaine ascension. Hein. Je suis obligé de couper au bout d'une demi-heure pour lancer la deuxième partie. Alors, je suis quand même choqué du fait, peut-être qu'ils sont très occupés ou peut-être que j'ai mal annoncé. L'heure de la transcendance n'a pas autant de monde que d'habitude sur le stream en tout cas.
D'habitude, il y a Mr. White. Parfois, il y a Kourou qui fait un petit coucou. Là, je vois qu'ils ont oublié que ce jeudi-là, c'était jeudi hors de transcendance. Ça arrive. Donc, ce sera exclusif YouTube. Un petit salut de Lulu, mais il a fait que passer. Je ne le vois plus dans le chat. Pas très grave, des choses qui arrivent. Moi, ça me permet de me concentrer sur le jeu, même s'il y a quasiment rien. Continue à le dire, hein, Kick Your Heroes. Mais bon, là, on est parti sur une super ascension. J'ai jamais fait un starter aussi beau. Là, je dis avant la grosse ascension, s'il y a le temps, je dis bien s'il y a le temps. Nocturnus y tombe, Atlas y tombe, Terran y va tomber. Par contre, pour Philly, je sais pas. C'est rien du tout là, par contre. Il y en a une très très belle transcendance. Donc là, j'ai un Salomon niveau 20. Je peux, ouais, je peux rattraper ma connerie, tout va bien. Évidemment, il me met 3001 pour m'emmerder, mais c'est pas grave. Voilà. C'est rattrapé. Tente. Perds tout le DPS. DPS est à 4, ah, on a un petit S majuscule. On est à peu près à ce niveau-là. Hein. Donc sans le bonus, d'accord. Sans bonus d'inactivité, on est bien. Évidemment, ça va peut-être se ralentir un petit peu. Voilà, j'ai tout activé. J'ai de la chance d'avoir un stream de qualité ce soir. Vu des soucis d'internet, tout va bien là. Clicker Heroes. Je crois que mon ordi et Mako ont décidé de faire oh c'est du Clicker Heroes, vas-y Ori, tu peux y aller. C'est que ça, c'est vraiment le truc qui fait buzz chez toi, surtout sur YouTube. Donc vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux streamer. Borès qui est débloqué, niveau 120, c'est logique. Déjà avoir ODPS, hein, ODPS. Une cinquantaine, 60 niveaux d'avance. Ça va aller loin. 28 minutes, niveau 100. Sachant que j'enlève 10 minutes, en 10 minutes, ouais, on va. Ça va être facile. 600, 700 niveaux. On a eu 800 et quelques, hein. Là on est déjà à 3900 âmes. Ça ne veut rien dire. Oh là là. À chaque fois, je suis toujours aussi surpris de cette vitesse de montée là. Celle-là, elle était violente quand même, hein. Dès le départ, je pouvais pas voir mon DPS ralentir. Hein. J'ai dépensé mes 150 rubis quand même. Voilà, je respecte quand même la tradition maintenant. 150 rubis, donc 50 qui sont utilisés plus tard. Hein. Mais bon, là, tous les records vont être pulvérisés, là, c'est sûr. Il n'y aura pas de suspense. J'ai encore un Gripsou que je pourrais utiliser. Mais bon, là, on est encore à un niveau près. Là, DPS, butin de pièces d'or. Je pense que je peux même remplacer un butin de pièces d'or, mais je vais le garder de côté, ça sert à rien pour l'instant. Je m'en servirai pour après.
Paf. Paf. On a trop de DPS là, c'est bon. Nocturnus s'est pulvérisé. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir vous montrer ce que je fais après l'heure de la transcendance. Donc, je sais que je quitte pas tout de suite, hein, que je me couche pas et tout. Hein. Je laisse Clicker Heroes actif et je fais autre chose en même temps, comme par exemple uploader des vidéos. Et pendant ce temps-là, ben, je m'en occupe pas comme je m'en occupe ce soir. Donc, du coup, ben, j'utilise mes clics automatiques, vous allez comprendre. Comme quoi, à chaque séance, je vous fais découvrir un truc de plus. Mes méthodes de farming. Évidemment, comme c'est la première partie, il n'y a pas de son, il n'y a rien. C'est comme ça. On va mettre la musique d'ailleurs. Je vais mettre de la musique. Évidemment, je vais en mettre de la musique. Je me demande quel soundtrack je vais mettre. Je le fais comme ça, là, où elle est gain. Je le fais jamais en mode. La dernière fois, il y a eu un petit peu de tout et un peu de Sonic pour troller, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais pas mettre trop, non. Oh, je sais. Je sais ce que je vais mettre. Ça va être un peu trop là. Voilà. Hop. Un petit autocliqueur. Et on est tranquille. Alors j'espère que je pourrai faire la méthode que je pense. Si ça marche pas, ben j'utilise l'ancienne méthode. Là, j'ai deux stratégies là. Soit je m'occupe juste avec l'autocliqueur sans Nocturnus et après Atlas et ceux qui suivent. Et ça passe hein, au niveau DPS. Soit le niveau DPS ça passe pas et je suis obligé de monter les autres niveaux 2 ou 3000 pour compenser un peu le DPS. Normalement, vu le temps qui reste, etc., ça devrait passer. C'est-à-dire que j'ai juste à monter Nocturnus là et normalement à lui tout seul il va avoir le DPS nécessaire pour que que les monstres tombent toujours à la même vitesse. En plus rajouter à Slakumawaka qui nécessite que 9 kills maintenant. Pour la relique et tout. Bon, il y a quand même un peu de Chorgorlot, hein, 81%. Ça fait du bien sur des aînés comme Kumawaka, etc. Mais je continue, hein. Mon objectif ça va être. Bon, Chevelac, peut-être qu'il va disparaître. S'il disparaît, c'est cool. Bon, ça, je monte Xiliqui niveau 50. Fandori, je vais le monter niveau 10. Et après, je crois que je vais troller un peu. Je vais partir sur Chorgorlot. Cool. Le but, c'est que Chorgorlot passe à 90 minimum. Sachant qu'on peut monter jusqu'à 99, je sais plus combien. C'est 99,2 ou 3, je sais plus. Ah, si Mr. White aurait été là, il aurait répondu direct, lui qui est un grand fan du jeu. Allez, Nocturnus débloqué. Niveau 230. J'ai 100 niveaux d'avance. DPS 280, ouais, on est loin. Par contre. Je vais laisser filer les coffres et je vais les ouvrir par gros pack. Là, je viens d'avoir le coffre. Paquet cadeau. Les glorifiés. Je vais attendre un peu avant de les ouvrir. Évidemment. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients de jouer de cette manière. En fait, plus il va y avoir de héros qui vont être utilisés pour les autocliqueurs, moins je vais gagner de thunes. Parce que je rappelle que j'ai un aîné qui m'aide. C'est voilà, Nogarnit qui me donne un bonus de 4100. Hein.
Libertin m'en donne que 21 000. Enfin, pour l'instant, nos garnis te m'aident énormément. 4100 multiplié par le nombre d'autocliqueurs. Il faut dire aussi que elle a des niveaux en plus, elle a deux niveaux. Niveau 22 contre niveau 10. En plus. En plus. Mais nos garnis coûtent plus cher aussi en âme. 15 000 âmes. Je crois que pour la grosse ascension, il me faudrait plus de 100 000, je crois. 2 ou 300 000, je suis sûr de pulvériser le record. Donc ça va être l'objectif d'essayer d'atteindre plus de. Allez, 150 000 en tout cas, essayer d'atteindre. Il faut 10 fois plus. C'est jouable. Jouable en plus, attends, j'ai pas vérifié, mais. Atman est à plus 9, donc on est à 34%, un peu plus de 34. Un tout petit peu plus que 34, vu que je suis à 9,14. À 34,14%. Les chances d'affronter un boss Oméga. C'est pas une chance sur deux, mais c'est quand même déjà pas mal. Que Atman nous rapproche de plus en plus vers les 75% pour atteindre l'addition des 25% qu'on a de base sans bonus, je suis pour atteindre les 100%. Donc je peux vous dire qu'au niveau 120-130, déjà, je crois qu'il est à 60-70%. Je sais plus les chiffres. Même pour Kumawaka, j'arrive à un niveau où Kumawaka fait du taf. Hein. En rajoutant les reliques. Pour les reliques, je vais le dire maintenant parce qu'après ce sera Soundtrack à Google. Voilà, je privilégie Kumawaka et après Gripsou. Et si je peux avoir les deux dans le même, là, comme c'est le cas ici, c'est Noël. D'avoir Gripsou et Kumawaka niveau 10, on est bien. Là, on est à 2,25. Hein. Là, on a une bague niveau 28, mais c'est normal parce qu'il y en a deux autres en dessous. Et je les monte de 4 en 4, c'est ça? De 4 niveaux parce qu'il y a 4. C'est bien d'en avoir 4. En plus, j'ai un butin de pièces d'or un tout petit peu. Mais c'est juste clic d'or qui m'emmerde. Bon, tant que c'était pas tempête de clic, tout va bien. Nocturnus niveau 100. 23 000 âmes, mes zones 300 atteints déjà. Waouh. Malheureusement, il me reste que 20 minutes avant de faire la coupure. Alors que je vois une annonce, Zerator joue à Fortnite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du Sylvius, de l'Océane maintenant, de l'Azimut, on en a pas mal. On a un Atlas. On n'a pas Nocturnus, mais on a un Atlas, c'est très bien ça. Encore faut-il que je le débloque. Point d'exclamation. Je vois, c'est parce que Nocturnus, il coûte 93 000 dés, donc. Et vos caractères spéciaux déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en point pendant la transcendance? Pour ce soir, j'ai rajouté 10 niveaux de Xilikil et un niveau de Fandoris. Je monte à peu près tout. Salut à toi au passage. Hein. Je ne vais pas dire ton pseudo parce que là je vais le bafouiller mais à mort. Donc actuellement je suis avec Xilikil à niveau 40, un Shor Gorlotte niveau 33 qui est très élevé. Pandoris niveau 9 qui est très bas. Borb qui est niveau 50, c'est je crois un tout petit peu plus qu'il faudrait pour l'optimisation. Et Chevelac niveau 30, c'est correct. Le seul qui est correct, c'est Chevelac par rapport au reste. Fandoris c'est encore trop bas. Pour dire vrai, l'optimisation, c'est un Fandoris niveau 17 ou 18 et un Borb niveau entre 50 et 70. Donc, je pourrais le monter niveau 60. Shor Gorlotte est beaucoup trop élevé, je crois qu'il doit être niveau 7 ou 8 à tout casser. Exilikil, il doit être niveau 10-15 à tout casser aussi. Je
Mais bon, pour les heures de la transcendance, ça me plaît d'avoir ça. Avec actuellement 240 âmes anciennes. Et ça monte tout seul, on est à peine à 40 minutes, je viens de faire une ascension. Et évidemment, vu la règle que je m'étais fixée, qui est en deux parties, je suis obligé de couper cette ascension à partir de d'une heure pour faire la deuxième partie, la grosse ascension. Hein. Je fixe maintenant ma heure de la transcendance à 3 heures. 10 le show. De base, ouais, maximum 10. Entre 7 et 10, on est bien. Mais bon, il faut que je retourne dans les sites pour savoir vraiment, parce que j'ai pas les chiffres exacts. Je sais que Fandoris, à 200, il devait être déjà niveau 17. Si je me trompe pas. Chargorlotte, il est beaucoup trop élevé, mais c'est un trip. Moins 81% sur les aînés, ça fait plaisir en début. À la fin, non, mais au début, oui. Ça aide énormément. Ça permet de dépenser très peu d'âmes pour le peu qu'on a dès le début. Alors, est-ce qu'on a chopé? Non, pas Nocturnus. Par contre, on a un Atlas x2, ça c'est bien. Va être débloqué, ça va aller tout seul. On est. Point d'exclamation, il reste encore l'arrobase. Je crois que c'est l'arrobase après. Ah non, c'est le dièse. Non, on a arrobase dièse après dollar. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On arrive à peu près au niveau de l'arrobase. C'est vrai que Fandou est bas là. Moi, je suis à 17, je crois. Dessus, mais après, il coûte trop cher, c'est abusé. Ben, en fait, c'est très simple. C'est à cause de la puissance transcendantale. Pour l'instant, je suis à 2,61. Je sens quand même une grosse différence d'un seul niveau de Fandoris parce que 0,05% à partir de cette étape-là, c'est pas mal. Alors, ma baisse zone, je vais spoiler un peu. 14 644. Avec 220 âmes anciennes. Alors c'est pour bien montrer quand même que Fandoris pas trop élevé. 14 644, j'aurais pu aller beaucoup plus haut. En fait, pour revenir sur la puissance transcendantale, c'est que plus ta puissance transcendantale est élevée, plus le nombre d'âmes que tu récoltes augmente de façon exponentielle. Ça veut dire que monter de 0,05 quand tu es à 1,3 de puissance, ça monte pas beaucoup, alors que là je suis à 2,61. Monter de 0,05, ça monte très très vite, hein, les âmes anciennes. Alors, je dis de façon arbitraire, hein. Je crois que pour chaque pourcent de puissance transcendantale, tu multiplies, mais je dis que c'est arbitraire, hein, c'est juste pour montrer à quel point c'est abusé, tu multiplies par 8 la valeur du pourcent précédent. T'as 8 fois plus d'âmes à chaque pourcent. Donc là, si tu veux, j'ai 8 puissance 2, presque 8 puissance 3 âmes en bonus par rapport à si je n'avais pas de puissance transcendantale. Alors, toujours pas de Nocturnus. Pour l'instant, Nocturnus, il arrive à s'en sortir tout seul. Hein. C'est lui qui fait le DPS. Je vais vous montrer. Il y a 99,99. Et normalement, dans 90 niveaux, je pourrais m'arrêter et commencer à tryhard de Atlas, mais bon. Donc le DPS il ralentit pas. Par contre, je suis navré, mais il va bientôt rester 15 minutes. Donc il faudrait vraiment que j'arrive à récolter plus d'âmes que à l'heure de la transcendance précédente. Salut Kirito! On s'inquiète pas pour ceux qui sont arrivés tard, il y aura la rediff. Hein. C'est une heure de transcendance, ça va être sur YouTube. De toute façon, mes meilleures vidéos, ça a toujours été Clicker Heroes. Quelques cas particuliers, mais disons que je sais pas, la communauté YouTube adore que je fasse du Clicker Heroes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je commente comme si c'était de l'e-sport. Ou peut-être parce qu'au bout d'un moment, on raconte plus notre vie que on est concentré sur le jeu, parce que là. Voilà, le jeu Clicker Hero, le jeu où tu peux aller faire pipi, le jeu continue sans toi. Enfin, au bout d'une certaine zone, toi par exemple, tu as 12 600, au bout d'un moment, avec les autocliqueurs, tu pars et voilà, tu restes tranquille. Surtout qu'on sait, hein, à partir de Webpoil, il est où? Il est là.
partir de la licorne, on sait que tu full DPS licorne. J'ai même plus besoin de monter Midas, hein. C'est vraiment lui que je monte en prio tout seul. Parce qu'il arrive à lui tout seul à pas faire baisser le DPS et débloquer de sushi après. Et donc pendant ce temps-là, tu fais autre chose, tu fais une autre game. Ça te bouffe un peu de bébé. Ah, Nocturnus, c'est très bien. Tu peux montrer tes aînés et t'as gardé des rubis pour la transcende? Oui, j'en ai gardé 150 et ce soir, bizarrement, j'ai eu besoin que de 100 rubis pour aller là-dessus, mais j'ai dépensé 150 rubis. C'est une petite phase d'écho que je me garde, hein, au cas où. Alors, c'est pour deux choses les rubis. Hein. Les rubis, c'est pour les mercenaires. Donc, j'économise, j'essaye d'avoir une petite marge. Hein. Là, j'ai 43 rubis de marge. Et pour vraiment faire une transcendance le plus vite possible, donc 150 rubis hein, pour ce début de transcendance en 45 minutes. Et une ascension hein, depuis que j'ai commencé. Donc pour l'instant, les aînés que j'ai, c'est à plus tard, Argave. Alors Dora, on s'en fout. Fortuna, on s'en fout. Grigri, on s'en fout. Ripsu, ça va. Kumawaka, c'est bon. Liberta, Mammon, Mimsy. Donc j'ai les gold, j'ai les DPS, j'ai Morgulis, j'ai Salomon et j'ai. Ouais, je les ai tous. Tous les bas sont là. Sinon, au niveau des. Pendant qu'on m'emmerde au téléphone. Je vais vous dire ce qui me manque. Excusez-moi. Alors là, ah, c'est en train de ralentir, que se passe-t-il? En dièse au niveau des golds. Un petit rubis? Non. Ça va te faire foutre. 2, 471. Je peux pas faire une ascension parce que dans 10 minutes je vais en faire une, donc du coup c'est cool. Enfin, c'est pas cool cool non plus. Tryhard. C'est jouable de tryhard. Ouais, c'est jouable. On va tryhard direct pour aller à Atlas. C'est de grignoter le maximum. Ça ralentit pas autant que ça, c'est cool. Ok, alors j'en étais où au niveau des aînés? Atman, Gripsou, Kumawaka, c'est bon. Grigri, c'est pour les rubis, mais si j'arrive pas à en avoir un seul, c'est mauvais. Fortuna Dora pour gagner encore un petit bonus de gold. Oui, je garde 150 100 rubis à chaque fois. C'est bien. Pour faire une transcendance, 100 rubis, c'est déjà pas mal. Et aussi un petit raid. Toujours garder un petit raid. C'est pour ça que je suis tout seul. Hein. C'est pour ça que je suis seul membre de mon groupe. C'est pour avoir l'opportunité du boss. Même si le boss, il est que niveau 137, alors que je peux aller jusqu'à 160. Voilà, j'ai besoin d'assez juste pour gagner quelques âmes en plus. D'ailleurs, ça m'a servi. J'ai fait une connerie sur Morgulis un moment. Mais c'est pas grave, on n'a rien vu. C'est bon, Atlas a été débloqué, c'est cool, on peut reprendre. Alors, qu'est-ce qui me manque? Pour la première partie, après je la joue hybride, mais on le verra jamais ça. On le voit, si tu veux, voir où est-ce que j'en suis vers la fin et comment je rush. Je te conseille de regarder un point sur le late game que j'ai fait sur YouTube et tu comprendras. C'est à peu près 4-5 heures de live, je dirais. Mais il faut regarder surtout la dernière partie, la partie où je reprends et que je monte à peu près comment grignoter. Mais bon, on n'est pas à zone 14 000, je crois qu'on j'étais à peu près à la zone, à peu près à ta zone, à 12 000. Alors ça, j'ai dit que je le gardais de côté. Alors, je vais y arriver. Donc j'ai Atman, je disais. Liberta, Kumawaka, Gripsou, Rigri, Fortuna et Dora. Il me manque. Le boss diminue les PV du boss, diminue les skills. C'est très important quand je veux spammer rituel noir, c'est très important ça. Donc celui-là, il va me le falloir absolument, mais pas tout de suite. Hein, j'en ai pas vraiment besoin. C'est pour quand je vais devoir débloquer de sushi, il va servir parce que je vais pouvoir le spammer. Et enfin. Le timing du boss, quoi. Il y a les deux pour le boss et il y en a un pour les skills. Ils sont pas importants.
Je crois que j'ai eu les plus importants, hein. Je dis pas de bêtises. Après, pour ce qui est des dégâts critiques, les clics, etc., ce sera beaucoup plus tard quand je commencerai vraiment à ralentir au niveau du DPS. Et que je vais devoir intervenir pour grignoter 300, 400 zones. Enfin, plutôt 1000, 2000 zones, hein, c'est pour ça. Je pense que si tu es 12 600 alors que tu as autant d'âmes anciennes que moi, c'est parce que tu joues pas hybride. Tu joues uniquement avec le mode inactif. Alors que le mode hybride permet de grignoter 1000, 2000 zones. Enfin, de battre avec. Bon, je suis désolé, mais Terran, je le débloquerai pas maintenant, mais je le débloquerai pour l'ascension d'après, qui est la grosse ascension. Et j'ai presque une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis déjà à 132 000 âmes, il me semble. Ouais, tu joues full idle, voilà. Ça a du bon full idle, mais au bout d'un moment, il perd trop en efficacité et c'est le autoclic qui fait la différence. J'ai 10 autocliqueurs, c'est pour ça que je joue hybride, mais sinon, un ou deux autocliqueurs, ça fait plaisir hein, en mode hybride. Mais bon, 10, ça rocks. Hein. Je vais voir combien j'étais. Heure de la transcendance. Ou Ori. Je vais regarder ma propre vidéo. Quelle horreur. Un point sur le late game. Alors, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Que je recommande. C'est les hors-série. Putain, déjà 32 vidéos d'une heure ou deux. Oh, c'est vieux. Alors, jusqu'à combien j'ai été la dernière? Ah ouais, quand même! Ah que ouais! Je pensais que j'avais 100 000, mais en fait, je me suis totalement trompé. Ah ouais, bon alors là, on va passer 2 bonnes heures de grosse ascension, là! Oh, quelle horreur! Oh là là! On va se coucher à minuit et demi, là! Je joue pas à Click Your Hero, je vais juste tourner, oui. Je comprends, hein, t'inquiète pas, hein, je fais pareil. Je fais des donjons sur WoW en attendant, je regarde une vidéo YouTube, mais le jeu, il est sur mon deuxième écran, il bouge pas. Hein. Je sais pas combien d'heures, parce que les gens, ils aiment bien quand je me vante d'avoir plus des milliers d'heures de jeu sur. Et merci Steam de me montrer. Je sais pas combien. Pourtant, j'ai fait une pause. Hein, parce que, pour pas vous cacher, les 20 âmes, je les ai eues il y a 2 semaines. Mais je préfère mieux faire les ascensions, enfin les transcendances en fin de mois, au moins une fois par mois. Parce que, un, ça serait trop chiant d'avoir autant de Kicker Heroes et je pense que ça va lasser vite. Plutôt que de les forcer à attendre et être en suspense en même temps, les faire rager un peu. Et de deux, quand j'ai commencé à farmer les âmes anciennes par groupe de 25, ça me laissera, voilà, j'ai 2 semaines d'avance, quoi. Ah, on va bientôt atteindre les 10 000 heures de jeu! Je pense que d'ici 2 mois, je devrais atteindre les 10 000 heures de jeu. Depuis que j'ai commencé. Oh la vache. Et bizarrement, c'est un jeu que je pensais être le premier à avoir full succès, mais en fait, non. Il y a d'autres jeux clicker où j'ai fini à 100% avant même de les présenter. Ah, j'ai un terrain. Il me reste quoi comme. Bon, Cindy, il sera jamais glorifié. Il manque Martin, Joël, Erwan, Mélissandre. Ah, il m'en manque 6. Hein. Bien compté. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 5. Mais après, 6. Bon, là. Alors, je vais spoiler un peu. Donc, je sais que le record, il est battu. Hein, il est pulvérisé, hein, c'est sûr. Parce que la grosse ascension que j'ai fait la dernière fois, c'était que 30 000 âmes. Et ça a duré une heure et quart. Je vous laisse faire le calcul, j'ai 158 000 âmes. 5 fois plus. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller 5 fois plus loin. Ou que j'aurai 5 fois plus de DPS. Non, 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 parce que je vais débloquer d'autres héros qui vont booster encore plus mon DPS. Comment dire que je suis pas dans la merde pour la grosse ascension? J'espère juste qu'il n'y aura pas de coupure, sinon j'ai 3 jours d'update sur YouTube, c'est cool. Alors que ce week-end, je serai occupé, ça va être marrant. Oh, on va se marrer.
On va passer une bonne journée. Donc je prie. Pour l'instant, je touche du bon bois là. Ah là là. Ah, c'est en train de ralentir, c'est très bien. Ça tombe bien parce que dans quelques minutes, je vais commencer la grosse ascension, donc je vais devoir faire la coupure. C'est un petit peu mort pour faire 250 000 âmes. Mais bon, on part sur du gros, 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 gros et du lourd, 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 lourd. Alors, d'après mes estimations, on est parti pour une zone 1500. Faudrait que je revoie justement les heures de la transcendance où je passais 3 heures ou 4h30 pour être plus précis vers la fin. Où je suis d'ici à 1h30, 2h du matin. Là, ça va être bon. Ah, franchement, que j'ai très bien fait. Parce que si franchement j'avais fait 3 heures, je pense que la prochaine ascension va durer plus d'une heure. Donc, du coup, je serais obligé de couper cette ascension-là qui m'aurait donné des millions d'âmes. Là, je compte plus par 100 000, je les compte par 100 millions, voire des milliards. Je pense que c'est la plus belle ascension. Alors, en tout cas, si ça va battre le record, toute transcendance confondue, même celui qui dure 3 heures, ça prouve que en à peine une cinquantaine d'âmes anciennes, on a énormément de puissance. Mais bon, je suis tombé sur une très très bonne. J'ai eu un très très bon départ aussi. On est sur quelque chose qui rock, ça. La stratégie fonctionne très bien. Ouais, faut jouer la chance. J'avais énormément de coffres pour avoir les compétences qui m'intéressent. Chope un Kumawaka Gripsou à la fois. Je ne l'ai pas eu lors de la précédente transcendance. Hein. J'en ai pas eu un seul. Je crois que ça fait depuis 2 ou 3 transcendances même que j'ai pas eu une relique qui avait la combo. Ça se garde précieusement. Pas vous le cacher. En tout cas, on aura un très beau coffre dès le début après. Bon. Ben, je vais aller jusqu'à la zone 650. Après, je vais faire la première coupure parce qu'on est déjà à 57 minutes et je préfère faire moins d'une heure quand même pour la première, on sait jamais. On rappelle que les montages me coûtaient extrêmement cher. Mais un jour, je vais résoudre ça, je vais péter un plomb, je vais m'acheter une bonne co et ce sera bon. Je vais peut-être le faire d'ailleurs au plus vite. Enfin, toujours est-il que je fais la coupure. Ouais, la zone 650 quand même. On n'était pas loin de Terran. Il nous restait quoi? Ah, il nous restait encore 2 unités. Il nous restait l'accent circonflexe et l'étoile. On n'était pas loin. Franchement, c'était jouable. Si je faisais pas le pit comme ça. Donc je vais faire la coupure là tout de suite. Hein. Je vais monter un tout petit peu, hein, histoire de grignoter. Et je vous dis à tout de suite les gens pour la grosse ascension.